Ouais, bah salut les gars, c'est Rosé, il y a Triclo qui est là aussi. Ouais, salut tout le monde. On passe le bonjour sur la chaîne de Triclo. De toute façon, ça, on va récupérer le nom de Triclo. De toute façon, il est à nous. Enfin bref, voilà. Ouais, n'importe quoi sans aide de nom de scène, mais t'es vraiment un fumier. Bah bon, on s'en fout de toute façon, ton nom de mort. T'as, excuse-moi, c'est enrhumé là. Bon, bah là, bref. Aujourd'hui, on va jouer à Clone Drone de Danger Zone, encore un roguelite de ses morts. Parce que nous, les roguelites, c'est vraiment voilà, le pied total. En fait, on aime bien avoir une seule vie dans les jeux vidéo pour crever en boucle, voilà, galérer. Voilà, c'est des trucs qui vraiment. Comment tu trouves que les roguelites, c'est vraiment le truc bien qui fait. Voilà, ça a une avancée dans le jeu vidéo quand même, les roguelites. Oui, carrément, bah oui, les roguelites, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le jeu vidéo, niveau rejouabilité. Non, c'est pas possible ça! Ah, bon, bref, attendez 2 secondes. Allô? Excuse-moi, je fais une vidéo, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? T'as essayé de m'appeler? Non, j'ai pas essayé de t'appeler, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? D'accord. Bisous, je t'aime. Bisous. Non, c'était encore elle, franchement, mais elle te saoule, la moitié pas, non? Mais ça va, c'est ma cocotte, t'es fou, t'es marrant, toi. Bon, bref, normalement, on fait pas ça dans les vidéos, passer des appels comme ça. Non, c'est non, mais tu te la pètes grave, genre le killer de love, mais en fait, t'en as qu'une, hein, t'en as pas 3000, hein. Oui, bah j'en ai qu'une, bah c'est déjà bien d'en avoir une, t'es marrant, toi. Il y en a qui ont zéro, hein, regarde les gamers en général. Non, 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 t'arrêtes de critiquer les gens. Tu veux, faut que tu sois plus, voilà, plus raisonnable dans ta façon de faire. Tu t'es mis tout le monde à dos aussi à critiquer tout le monde là. Faut laisser des culs, faut pas, t'es pas obligé de péter des culs tout le temps. Faut laisser des fions un peu si tu veux être monté en niveau, tu vois, régime YouTube, tu vois. T'as rien compris encore, je te le dis, toi. Laisse des culs, Triclo. Tu laisses à fond, tu mets ta langue bien au fond du trou de balle, et puis voilà, tu vas faire des vues, te dis, moi. Ouais, t'es fou, toi, je vais pas faire ça. Lécher des culs de nana, je veux bien, mais si elles sont mignonnes et qu'elles m'aiment bien, tu vois, je vais pas lécher des culs comme ça à l'arrache, de gens que je connais pas et que je respecte pas, tu vois. Non, bah voilà, bah, c'est bon, c'est mort. Bah, je voulais te donner des bons conseils. Moi, je m'y connais bien, les sas de cul. Je te dis, voilà, quand je galérais dans la vie, bah, des fois, je laissais des fions. Et puis voilà, ça me permettait de tac, 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 de monter en grade et tout, de pouvoir être chef au lieu d'être un pauvre suiveur, tu vois. Enfin, c'est toi, t'es cac. Hein, les mecs comme toi, de toute façon, vous n'arrivez jamais à monter en société. De toute façon, vous êtes des perdants. De toute façon, des perdants finis. Il faut laisser des fions pour gagner maintenant. C'est la société d'aujourd'hui. C'est toi qui es inadapté, en fait. Non, bah ça va, je suis inadapté de quoi, là? Bon, bref, bon, tu me saoules, là, avec tes histoires de léchage de fions. Je suis pas un lécheur de fions. J'ai toujours cassé des fions, moi. Je suis pas. Voilà, il y en a qui aiment bien lécher des fions, s'entre-lécher les fions entre eux. Voilà, mais c'est pas mon truc. Voilà, c'est bon. Moi, j'aime bien critiquer les autres, tu vois. Et encore, je le fais sympa, tu vois, je le fais une fois de temps en temps à ceux qui méritent, tu vois, voilà. Je suis pas non plus, tu vois, H24 en train de. Je harcèle pas les gens, tu vois. Non, non, mais bon, des fois, franchement, tu te permets de faire des blagues sur des gens, te moquer des autres. Oui, bon, bah ça va, c'est bon. Je fais ce que je veux, de toute façon. Donc, on va jouer en solo. On va présenter le jeu, parce qu'on est quand même là pour parler du jeu, je te signale. Ouais, parle de son jeu, là, Clone Drone. Mais il est bien, celui-là, franchement, ça, c'est du bon jeu. Oui, il est carrément, ça, c'est carrément un bon jeu. Non, c'est un roguelite, vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez le mode histoire, c'est un peu le mode de base, quoi. Après, ce qui est embêtant, le mode histoire, c'est que voilà, il vous enlève vos trucs tous les 10 niveaux. Après, il y a le mode infini où vous gagnez vos perks et vous. Non, c'est mieux le mode infini, tu peux gagner, mais c'est trop dur à moitié. C'est vraiment hardcore comme de. T'as dit qu'il était dur. Bah, laisse-moi parler. Oui, je vais dire qu'il est dur. Oui, le jeu est dur. Oui, franchement, le jeu fait pas de cadeau. Vous avez un point de vie. Vous prenez une flèche ou un coup d'épée mal placé, c'est bon, vous partez à la poubelle, quoi. Et tiens, on va commencer par le mode défi. En soi, c'est toujours un peu le même concept, quoi. Alors, le mode défi. Alors, on aura les flèches enflammées niveau 1 si on gagne. Tu vois, on peut gagner ça. Les flèches enflammées, ça pourrait être pas mal, ça, pour le mode histoire et tout. C'est pas mal de faire les défis, comme ça, tu gagnes des trucs pour après, quoi, tu vois. Donc, on va faire le mode infini à l'arc. Allez, c'est parti. Non, franchement, tu t'appelles Antonio, Antonio X. T'as mis les voix en français, j'espère? Mais oui, j'ai mis les voix en français. Analyse vote.
C'est quoi votre amélioration d'arc favorite? Le coup de pied. Vous dites ça parce que vous aimeriez aller des gens. Non, mais sérieusement, ces voix, vous avez vu ces voix de l'enfer à moitié. Oh non, le niveau de ses morts! Ah, ils t'ont foutu le niveau hardcore! T'es mal, franchement là, t'es mal. Là, franchement là, avec le. Bon, bah bref, ça va être. Oh, regarde, putain, il y a des arqués. Voilà, là, non, 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 bah là, franchement, ouais, je le sentais mal. T'es vraiment un boulet, quoi, t'es mort. Oui, mais t'as eu le niveau, c'était le pire niveau ever. Oui, bah. T'as pas eu de bol non plus. Bon, les robots, vous dites quoi, là? L'humain pourra-t-il parvenir à la difficulté Titan? Bien sûr, je vais arriver à la difficulté Titan. Non, mais ça, c'est peinture. Hein. Tiens, il est plus facile ce niveau-là. Eh, vas-y, crèvelette. Attends, je vais m'entraîner à l'arc un peu, là. Ça fait longtemps que... Alors, on est parti, là. Oula, celui-là, c'est pas bon. Mais c'est pas vrai, punaise. Putain, la bille, sérieusement, t'es trop mauvais. Tiens, passe-moi la manette. Passe-moi la manette, si. Oui, bon, bah, prends la manette. Ah, bah, c'est joué, tiens, je m'appelle Sally, tiens. Sally Santana, ça, c'est du bon nom, ça. Hé, hey, le robot, qu'est-ce que tu dis? Inspiré par le comportement observé chez de véritables spécimens humains. Ah, ils sont à moitié timbrés, c'est, franchement c'est des robots un peu sadiques. Alors voilà, alors c'est des robots qui s'amusent à capturer des humains. Alors on va les faire découper, c'est un peu la technique. Moi, je connais bien les œufs, il faut faire, faut utiliser les environnements pour tuer les autres robots, tu vois. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Comme ça, tu fais comme ça, tu restes sur le truc, comme ça, t'attends un peu, tu tires en même temps. Voilà, tu découpes tout le monde, voilà, ça c'est du gameplay ça, comme ça t'attends que la roue elle va revenir et PAM. Ah, j'ai pas eu. Alors, voilà, dans la tête, putain celui-là est costaud ma foi. Voilà, putain mais tu joues bien. Mais oui, je joue bien, t'es fou, quand t'es pas là, c'est le jeu que je préfère. Clone Drone, il est trop bien. D'accord, je savais pas, tu l'appelles carrément Clone Drone, c'est pas son nom... Non, moi, je l'appelle Clone Drone, je vais pas l'appeler avec son nom entier. Clone Drone, il est dans Zander Zone, t'es gentil, toi. C'est imprononçable. Oui, d'accord, bon, bah, c'est prononçable. C'est... c'est bien, t'as le niveau, c'est bien, bah, ça va faire une bonne vidéo, comme ça, ou quoi. Parce... Moi, je suis un peu vu, là, ce jeu-là, donc... Non, mais Zazer, franchement, regarde-moi ce skill. Bon, c'est passé le niveau, après, quand tu skis, soit tu passes le niveau, tout s'arrête. Y a plus de pièces. Alors, mon DAF, il est où, mon DAF? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, j'ai sorti le bouton du DAF, il est sur L1, le DAF. Et maintenant, l'humain doit se mêler à une bataille au corps à corps. Un défi acharné. Bataille au corps à corps, je l'ai plombé, moi, sa mort. Oui, bah on va voir ça, hein. Alors, tu vas prendre quoi? La grosse flèche, toujours plus gros, ma gueule. C'est bien, la taille, ça compte, hein. T'as que causé aux meufs, tiens. Tu diras à ta copine si la taille, ça compte pas. Bah ça va, t'es gentil là, tu me parles pas de taille, moi j'ai pas de problème de taille de toute façon. Hein. Si on a bien un ici qui a des problèmes de taille, c'est pas moi. Hein. Nan, c'est pas vrai ça, bah, je me suis monté comme un terrorisateur. C'est une table de monstre à moitié. 40 kilos, elle fait la mienne. Oui, bah bien sûr, c'est bien connu que Roger a une table de 40 kilos. Je sais pas où tu l'arranges, hein, parce que franchement, si elle faisait 40 kilos, on la verrait plus. Hein. Nan, mais ça va, je te dis, elle fait 40 kilos au repos. Et quand je suis excité, moins de 60-70. C'est la méga tub. Une tub de vraiment la grosse méga tub. D'accord, bah, c'est bien, Roger. Ouais, génial. Ça m'intéresse vachement que t'aies une grosse méga tub. Je veux dire, après, je sais que dans le milieu gay, c'est vachement bien vu d'avoir des grosses. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, putain, t'es relou. Ah, petit truc sur le milieu gay, je te dis, j'ai arrêté, c'était l'année dernière, ça. Là, je sors avec une meuf, là, une petite chilienne. Ah, tu sors avec une chilienne? Mais je sors avec une petite chilienne, ouais, on s'arrange très bien. Ça s'appelle Zosé Milica, elle est super sympa. Voilà, elle adore mon gros gag énorme, elle me trouve super beau, super bien monté. Voilà, on fait l'amour 3 fois par jour, vraiment, c'est génial, quoi. D'accord, c'est pas la nana qui me draguait l'autre jour, là? Mais de quoi tu parles? Non, c'est certainement pas elle, c'est impossible qu'elle t'ait draguée. Bah, je sais pas, la nana brune là que tu m'as montré là, qui. Bah elle me draguait à moitié, tu vois. Elle m'a demandé mon numéro, si j'étais seul à la maison. Non, c'est pas possible ça, de quoi tu parles, là, sérieusement?
Je la connais, Tosin Minica, elle ferait jamais ça. Elle s'est dit à moi, elle aime mon grosse gag. Je te le dis, elle l'aime, mon grosse gag. Elle est accrochée à moi. Oui, bah, oui, oui, c'est certainement, oui, bon, bah. Bon, bah, c'est super, fais ton jeu, on va parler d'autre chose, parce que là, c'est un peu privé, quand même, ce genre de truc, quoi. Non, mais tu fais toujours péter les plombs, hein, t'es chiant. Allez, je prends les resserrements, je prendrai la grosse fesse après. Là, je sens bien le run, là. Bah, il faudrait peut-être que tu prennes une armure aussi, parce que ça va commencer à devenir un peu dur, là. Non, ouais, mais les niveaux sont dans son... Ah, c'est ça, ah, celui-là, il est un peu saut, là. Ça, c'est un niveau un peu casse-couille. Alors, on va sauter, éviter les fenêtres. On va sauter dans tous les coins, voilà, on va aller tirez-vous dessus, là, tirez-vous dessus. Punaise, franchement, ce jeu de cinglé. Oh là, non, il y a la gros, il y a le Cybertron, il y a le Cybertron, suis mal, suis mal. Oui, bah, je vois ça que t'es mal, là, tu fais moi le malin, là. Non, mais c'est réussi, je vais lui couper la jambe, voilà, 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 voilà. Avec mon grosse geek bien badass, tu vois, moi, c'est les bons brousses, à Césure, c'est la merde, c'est le Cybertron, ça. C'est pas le Cybertron, c'est le Spider-Tron, c'est pas le Cybertron, quoi, alors, franchement. Mais c'est bon, j'essaye de... Voilà, c'est bon, arrête un peu de saouler, là, t'es chiant à toujours chercher la daube. Oui, bah, je cherche pas la daube, je veux juste... Ouais, bon, allez, joue bien, allez, vas-y, concentre-toi. Mais c'est ce que je fais, là, c'est toi qui me déconcentre. Oui, bon, bah... Bon, j'arrête. C'est vrai que c'est ces boules rouges, là, qui sont chiantes, là, celle-là, là. Vive-lui dans la tête, là. Bah, c'est ce que je fais, là. Faut lui viser dans les pattes d'abord, voilà, lui couper les pattes comme ça, elle est à moitié. Voilà, là, j'ai bien eu, là. Tiens, le Cybertron, attention. Voilà, après, j'ai lui couper la dernière patte. Putain, elle est costaud, la saloperie, là. Explose, là, tête de mort, là. Oui, joli, franchement, joli, joli, magnifique, quoi. Et t'as tué tout le monde, là? Là, je sais pas, il en restait un mec dans un coin, quelque part. Sûrement en hauteur, là, je sens le... Faire gaffe, parce que franchement, ce jeu-là, tu meurs en un coup, alors... Tiens, il est là. Tiens, allez, dans ta face. Voilà, hit my girl, franchement, trop fort. Pas mal, franchement, vas-y, c'est super bon. La vie ne tient qu'à un fil. Je crois que c'est plus ou moins ça. Puis c'est marrant, les voix du robot, là. Avec un robot lancier tout mignon, nous allons avoir droit à un combat épique. Ah, c'est le gros robot, le T-Rex, là. Ouais, je sais, mais de toute façon, je vais prendre un truc, attends. Ça se prend les... Attends, j'assure. Qu'est-ce que je fais? Je prends une vie. C'est le moment un peu saut, tu vois. Souvent, faut prendre des vies, tu vois. Ouais, grosse flèche. On va mettre... Voilà, c'est bon, on va tirer. La grosse flèche. D'accord, la grosse flèche, mais t'aurais dû peut-être prendre une vie, hein, parce que là, c'est du one-shot, donc... Mais ça dit, je vais tirer, moi, le gros globe, tu vas voir. Regarde-moi ça, là. Alors on va laisser les autres s'entretuer, c'est la technique. Il est déjà tué, tiens. Voilà, il est déjà mort, le T-Rex de ses morts, là. Putain, mais t'es super fort à ce jeu-là, en fait, quoi. Moi, je suis pas bon comme ça. Ben non, mais je te dis, je te dis tout le temps. C'est mon jeu préféré, tu vois, après Minecraft. Ah, parce que tu joues à Minecraft, Ben oui, j'adore Minecraft, hein, super créateur de Sato. Voilà, moi, c'est mon type de jeu, tu vois, là. Tu es un mec imaginatif. D'accord. C'est marrant comme jeu. Je savais pas que tu aimais Minecraft, Roger. Ben si, je suis un grand fan. Qu'est-ce que tu crois? De toute façon, tu m'emmerdes, là. On va prendre une vie supplémentaire. Ou l'armure, c'est pas... Là, j'hésite, franchement. Prends une vie supplémentaire. Voilà, comme ça, on assure le run. Ah bah, c'est bien d'assurer le run, comme ça. Tu nous fais le... Avec ton gros geek poilu là, que... Non, ça va, c'est bon, arrête de sombrer, t'es relou. Hein. Ah non, c'est la tour, ça c'est dur ça. C'est quoi la tour? Non, t'as des ans, il faut sauter tout en haut. Et après, tu dois te défoncer des gars, c'est à moitié, il y a des mecs avec des lances et tout. Oh les enfoirés, c'est mort, j'avais oublié le truc électrique. Ah oui, mais t'avais pris une vie. Tu t'énerves pas, Roger, t'avais pris une vie. Ah, j'avais oublié le truc électrique blanc, c'est mort. Il faut sauter dans la mêlée, tu vois, faire un gros bond comme ça, et pas réfléchir, tu vois, si tu réfléchis trop, t'es mort. Mais... C'est le jeu, faut y aller, comme ça, voilà. On se reprendra une vie après, de toute façon. Là, pour le niveau supplémentaire, ce sera suffisant. Bah, dis donc, grosse gag, hein, Roger, hein. Franchement, grosse gag. Ben oui, grosse gag, bon, t'arrêtes un peu, là, t'es relou, là. Tout le monde a compris que j'avais un gag de poulain, là. Oui, bah oui, t'as un gag énorme, c'est bien connu ça. C'est ce
qu'elle disait, ta copine. Là. C'est pour ça qu'elle m'a dragué, d'ailleurs. T'arrêtes, franchement, t'es relou, là. Ça va, hein, tes hyper accusations. José Médica, elle est super sympa, elle m'adore. Elle t'a pas dragué du tout, c'est toi qui a encore... T'imagines des choses. Voilà, tu te prends vraiment pour un espèce de MacGyver de l'enfer. C'est pas possible. José Médica, elle est à moi. Oui, bah oui, elle est à toi, bien sûr. Toutes les femmes sont à toi, c'est bien connu, ça. Bon, bah, essaye de faire le run bien, là, parce que là... Mais c'est dur, franchement, c'est pas un jeu facile. Oui, je sais que c'est pas un jeu facile, il est super hardcore, mais... Bah, bon, bah, il faut que tu montres aux viewers que t'en as dans le slip, tu vois, que c'est pas que de la gueule, quoi, tu vois, Roger. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Non, j'en ai marre, sérieusement, t'es relou, avec tes accusations de mort, là. Et tiens, il m'a toussé, tiens. Tiens, mais il me prend la tête, ce con, là. Allez, putain, esquive, toi. Mais t'énerve pas. Concentration, grosse flèche au bon moment... Non, mais elle est relou, putain, franchement, là. Ah, elle va me faire tuer, celle-là. Putain, franchement, insupportable. Bon, allez, c'est bon, là. Allez, hop. Allez, tu t'énerves pas. Il est super dur à avoir à moitié, celui-là. Mais oui, il est super dur. Il a une super défense. Il faut tirer quand il te tousse à moitié, c'est saut. Ah, merde. Faut que je me concentre. Plus d'énergie, là. Faut que je remonte la barre d'énergie. Elle est grande, mais... Allez. Je peux le faire. Putain, fais chier, putain. Ah, je comprends qu'il soit tendu, là, c'est un peu... Puis il est à moitié géant, le gars, là. Tu peux lui casser son bouclier? Oui, tu peux, mais c'est vachement long, à moitié. Arrête de me saouler, tu es chiant, franchement, il va me buter, cette saloperie, là. Ah, j'en étais sûr, franchement, c'est ta faute, ça. Putain. Bah, tu vois, ton grosse gag, t'as pas trop aidé, tu vois. Bah, franchement, tu me fais chier, franchement, si tu continues, t'es de péter la gueule. T'en es marre, tes visos de mort, là, tu me fais chier. Oui, bon, mais excuse-moi, Roger, oui, bon, j'arrête de te chambrer, bon, fais le menu principal, là. Ah, t'arrêtes, franchement, j'en ai ras-le-bol, franchement. Oui, mais j'arrête, promis. Bon, allez, alors, menu principal, on va montrer les autres modes de jeu, je vais faire la game, donne-moi la manette un peu. Ah, vas-y, prends la manette, franchement. Bon, j'en ai marre, tu fais chier, franchement, t'es toujours à tirer la merde. Oui, excuse-moi, pardon. Je te demande pardon, c'est vrai que j'ai trop chambré, c'était pas sympa. On va faire jeu solo, on va faire mode infini, comme ça on pourra montrer tous les pères. Tu vois, je m'appelle Isabella Matisse, j'ai une armure rose pâle, une épée verte. Nain, tu méritais bien ton armure rose pâle. Putain, ces voix de robot, franchement, c'est trop classe. Ils devraient mettre ça dans les jeux vidéo, puis souvent des voix comme ça, d'ordinateur, tu vois. Ça fait au moins des voix françaises, tu vois. Même si c'est un peu nul, tu vois, c'est toujours mieux que des vieilles voix en anglais de mort, là. On a marre des jeux en anglais, quoi. Ah bah oui, je sais, les gens ont royalement marre des jeux en anglais. Surtout quand t'as connu la période 360, quoi. C'est vraiment dur d'avoir tous des jeux en VO de ces morts, avec l'anglais insupportable, là. Voilà. Bon, bah, après, on va pas refaire le monde. Ça coûte cher. Les traducteurs sont devenus super... voilà, ils veulent du fric pour traduire leurs jeux. Concentre-toi, tu vas te faire plomber au lieu de raconter tes conneries là. Eh non, regarde, t'as vu ça, j'ai vu jouer là, j'ai compris un peu. Après, faut vraiment pas se faire toucher quoi, t'as un peu de vie, mais c'est très léger quoi. J'ai hâte de découvrir le prochain défi. Oui, ah, moi aussi, j'ai hâte qu'il se fasse défoncer la gueule ce connard là. Oui, bon bah, t'es gentil, t'es pas obligé de m'insulter là. Prends l'épée en feu là, l'épée en feu elle est bien aussi. Oui, bah, je vais prendre l'épée en feu, oui. Tu veux pas que je joue aux flèches, là? Mais non, on a fait un run aux flèches, tu veux pas faire un... T'es chiant, franchement, tu fais pas un run aux flèches, tu fais un run normal, avec tous les trucs. Oula, putain, fais gaffe. Oui, bah, je fais gaffe, c'est le même niveau, tu vois. Mais oui, c'est tout le temps les mêmes niveaux, mais c'est pas dans le même... T'as vu, t'as failli crever, là. Là, c'était dans l'épaule, franchement, c'était... Voilà, c'était super saut. Allez, vas-y. Putain, mais t'es à fond dedans, c'est moi qui joue, là, je te signale. Oui, mais se dis pas, ce jeu, il m'en sorcelle à moitié, tu vois, vraiment. Je trouve qu'il a un côté masique, un peu à la Minecraft. Oui, bon, on a compris que t'aimais bien Minecraft, pas non plus... Après, voilà, attends, je vais le... Voilà, ça, c'était bon, bonne découpe. Je commence à capter, là, le bon délire, là, avec le petit run. Faut que je prenne plus d'énergie, là. Non, c'est important de bien créer son build, d'avoir un bon build. Ben moi, si les étoiles auraient pris une armure, hein, au lieu de prendre... Ouais, voilà, parce que t'as pris trop voilà de coups, là. Ah, attends, on va prendre une armure. En plus, elle est trop classe, l'armure, comme ça, en orange. Non, ça, c'est classe. Ça te redonne un peu de points de vie, tu vois. Tu peux un peu prendre plus de coups.
Mais franchement, c'est atroce ce mode de difficulté sur Zola. Ils ont vraiment pété les plombs, les développeurs, en matière. Oui, bah souvent, c'est ça, les roguelites. Après, tu t'améliores. C'est ça que j'aime bien dans les roguelites, c'est qu'au début, c'est tout sur apprendre le jeu, connaître les cartes, apprendre comment ils se déplacent les ennemis. Et après, tu t'améliores un peu. C'est une autre façon de voir. Franchement, les roguelites, c'est quasiment mes styles de jeu préférés maintenant. Non, mais oui, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'un roguelite, ça peut être un FPS. Ça peut être un PTPS, ça peut être comme Tron, Duke of Throne, un jeu en 2D. Ça peut être plein de choses à roguelite, c'est juste une formule un peu spéciale qu'on peut adapter à plein de modes de jeu, quoi. Donc c'est ça qui rend le truc vraiment cool, quoi. Ouais, oui, bah, ouais, carrément. C'est vachement bien, ton explication. Je prends un peu d'énergie, là. J'aime bien quand tu parles de jeux vidéo avec intelligence, quoi. J'espère que ça va pas faire rétrécir ton grosse gueule, quoi. Non, mais putain, t'es relou! C'est bon, t'arrêtes, hein! Franchement, là, tu commences à être vraiment lourd. Alors, t'arrêtes avec tes grosses blagues sur mon grosse gueule. Je sais que je suis bien mon meilleur. Franchement, allez, vas-y, fais-toi tuer comme un connard, là. Tu mérites bien de crever, tiens. Oui, non, mais non, j'ai capté le truc. Ils peuvent se tuer. Oh putain, ils me donnent des coups de pied. Mais oui, ils vont te défoncer la gueule, tu vas voir. Allez, tapez-le, c'est ce connard, là. Allez, butez-le, putain! Il est tout seul en plus, bande de moules, sérieusement! Bah oui, mais. Moi j'ai un gros geek, moi je suis monté comme un poulain, moi. Super ton rire de monde, franchement. C'est pas grave, je dis plus rien. Moi, arrête de parler. Oui, bon, bah arrête de. Bon, allez. On va calmer le jeu un peu. Alors, on a l'armure, vie supplémentaire, on a le jetpack, un peu de flèche, hein. Qu'est-ce que t'en penses, un peu de flèche? Fais ce que tu veux, t'en as rien à branler, de toute façon. Oui, bon, ça va, c'est pas désagréable. Et comment on change d'arme, déjà? Ah ouais, c'est ce bouton, le bouton bas. Ah, t'as Spider-Tron, en plus, t'as Spider-Tron, t'as besoin des flèches, parce que c'est la mort au corps à corps, c'est la merde. Bah oui, mais j'avais calculé un peu, tu vois. Après, heureusement qu'elles font pas de dégâts, ces bulles, là, parce que... Ah, ça les fait tomber aussi, ça c'est bien, c'est comme ça on peut les viser. Ah là là, c'est à moitié traître, c'est vrai que c'est un jeu de traître à moitié quand même. Hein. En plus avec les arcs et tout. Non mais t'as pas le skill, tu vas foirer. Bah ça va, je vais réussir, tu vas voir, regarde. Tiens, dans la jambe, tiens, comme ça là, je vais les avoir dans la jambe. Reste au milieu, pour ça les fait éclater. Faut être stratégique dans ce jeu là, c'est un bon jeu au niveau de la stratégie. Il est très stratégique comme jeu, beaucoup plus qu'il paraît quoi. C'est marrant comme un jeu peut paraître différent de comment il est vraiment, quoi. C'est ton intellectuel encore produit du jeu vidéo. De toute façon, t'es qu'un gros bourrin qui a rien compris aux jeux vidéo. Ben, ça va, je suis pas un gros bourrin qui a rien compris aux jeux vidéo. Moi aussi, je... Non, tu fais que critiquer les œufs qui parlent de poésie. Tu critiques tout le temps les œufs qui parlent de trucs intelligents. T'aimes les œufs bourrins, toi. T'aimes que les œufs où c'est pas du tout des gameplays. Franchement, t'es qu'un gros bourrin. De toute façon, c'est pas d'autres mots. C'est vraiment ton truc à toi, la bourrinitude. Tu sais que bourriner, de toute façon. Critiquer les autres et bourriner, c'est ça ton truc à toi. Ouais, ça va. T'es gentil, tu vas pas non plus m'insulter, là. C'est bon, on fait qu'une vidéo, là, Roger, là. Tu te calmes un peu, là. T'as vu, je l'ai one-shoté, là. Non mais je te dis, t'es un bourrin, tu sais faire que des trucs de bourrin, de toute façon, aucune texte. Moi j'ai la finesse, peut-être que toi t'as le grosse gueule, comme tu dis, t'as la taille et tout, mais moi j'ai les... voilà. Non mais elle est relou, franchement. Oui, bon bah laisse-la, elle a envie de téléphoner, là, si tu veux. Non mais elle est relou, franchement, c'est un pot de colle à moitié ton massin, là. Oui, bah, c'est ça l'amour, qu'est-ce que tu veux. Bon allez, attends, il faut que je prenne des grosses flèches, j'aimais bien le gameplay à la flèche, là. Non, t'aurais dû prendre une armure. Pff, t'es relou, je te dis. Là, tu vas te faire défoncer. Oui, non, mais non, j'ai les grosses flèches, j'ai l'énergie, j'ai l'armure. Je peux me faire toucher un peu sur le côté droit, là. Puis si je passe de niveau, tu vas voir, je vais les fighter, moi, tu vois. J'aime bien le gameplay à l'arc, c'est cool aussi. Ouais, mais c'est vachement saut, hein, si ça dépend des niveaux. Si des os, prendre un peu l'épée, parce que là... Oui, bon, bah, attends, on va découper un peu tout le monde, là. Voilà, on va faire du 360, c'est bon, putain, merde. Ah, le poulet, c'est mort. Ouais, bah, t'as pas fait mieux non plus, hein. Franchement, t'es trop un boulet, c'est trop marrant. Oui, je suis trop un boulet. Vas-y, dégage, Roger, tu me saoules. Vas-y, c'est bon.
J'en ai marre, là, toujours à critiquer. Ah, c'est bah tu vois, ça va dans les deux sens aussi. Moi aussi, je peux faire des blagues de relou, tu vois. Alors tu vraiment, tu fermes ta gueule maintenant. Et tu me laisses tranquille, avec mon grosse gag. Et mes grosses burnes, de 70 kilos. Oui, oui, bah c'est bien, ton grosse gag énorme, là, avec ta copine qui me drague. C'est génial. Franchement, c'est on est la bonne équipe, là. Ouais, tu veux... Bon, je vais appeler la cocotte, là, elle a besoin que je l'appelle. Non, vas-y, rappelle-la ta Wonder Woman, là. Tu me saoules, de façon. Allez, dégaze-moi. Ton vœu de mort, là. Bah, je crois que tu l'aimais bien. Oui, je l'aime bien, mais quand t'es pas là. Oui, bon, bah, d'accord. Allez. Ouais, bon, bah, on dit, fais la fin de la vidéo, là. Non, c'est toujours moi qui fais les fins de vidéo. T'es relou, Triclo, franchement. Oui, bah, tu vois, quoi. C'est ma phrase préférée, ça, oui, bah. Bon, bah, c'était Clone Drone et The Danger Zone. Franchement, c'est un très, très, très bon jeu. Avec du gameplay, avec de la rejouabilité, avec facile à comprendre, dur à maîtriser, quoi. C'est vraiment le concept, de toute façon, vraiment. Facile à comprendre, dur à maîtriser. Enfin, vraiment tout, quoi. C'est vraiment le concept, tout en un. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est un jeu avec plein de niveaux, plein de modes de jeu, voilà, il vaut pas cher, voilà, c'est certifié Triclo et Rosé, enfin plutôt Rosé et Triclo, s'il vous plaît. Mais ça va, tu peux dire Triclo et Rosé aussi, t'es pas obligé de dire Roger et Triclo, quoi. Non, c'est certifié Rosé et Triclo, voilà, ça c'est un jeu, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, franchement vous avez rigolé. Si vous avez un pote avec vous pour l'emmerder, lui dire qu'il a un petit gay comme s'en fourrait de Triclo, oui bon ça va, je rigolais, c'est bon ma couille, allez arrête un peu là, déstresse un peu là, t'as fumé quoi ce matin là, t'as pris du... Mais j'ai rien fumé, c'est toi qui es vraiment énervant, déjà je ne fume pas de tabac, j'ai arrêté de fumer déjà, depuis ça fait 10 ans que je ne fume plus, ce signal. Oui, bon, bah, c'est bien. Bon, allez, bon, bah, c'était Clone Drone is the Danger Zone. C'est un super jeu, on kiffe dessus, quoi. On va vous faire des gameplays aussi dessus. On essaiera d'inventer des petites histoires comme ça, quand on est motivé, quoi. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. Allez, Roger, le mot de la fin. Bye, 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 bye